Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en chacun. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est en donnant qu'on reçoit. On reçoit donc la salutation qu'on vient de faire et notre petit désir, parce que c'est juste ça qui nous est demandé, c'est de voir la vérité à notre frère. Et cette vérité, c'est telle que Dieu nous a créés, éternelle, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tout le reste, c'est du rêve. Et que du rêve. Et comment on peut sortir du rêve? C'est le pardon. Et vous vous souvenez, il y a toutes sortes de faux pardons. Pardonner la blessure, ce n'est pas du pardon, c'est de la condamnation encore. Parce qu'on garde vrai qui nous a blessés. On garde vrai notre jugement de condamnation sur notre frère. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est suite à la semaine passée, quand on a étudié ce beau texte où le péché n'est plus. Dieu n'a pas créé le mal. Aller chercher des citations quand Jésus enseigne que le mal est une perception mais pas une réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu qui est amour. Et Dieu, c'est le tout. Comment une pensée d'amour de Dieu pourrait donner mal, maladie, colère, cause à la colère? On les vit, nos colères, parce qu'on les rêve. Et ce temps est déjà pardonné. J'ai mal dit, j'ai devancé deux idées. Si la colère n'a pas de cause, elle n'aura plus d'effet. Et comment je peux comprendre que la colère n'est pas une réalité? Pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et on va donc retrouver en nous ce qui est éternel, tel que Dieu nous a créés. Alors le monde changeant n'est pas une réalité si la vérité est éternelle. On a donc besoin de se poser une question, mais qu'est-ce que c'est le temps? Et c'est l'étude que je vous propose, que Jésus nomme la petite entrave, une compréhension du temps comme Jésus nous l'enseigne. Et tout de suite, on peut se dire, mais le passé n'est pas là, et le futur non plus. Donc, le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Ça, on est capable de concevoir ça maintenant. Et quand je regarde toi, en fonction d'une pensée du passé, je ne te vois pas. Je vois mon idée du passé que je projette sur toi. Je ne te vois pas. Je vois ma projection. Alors, aujourd'hui, au chapitre 26, on n'est donc pas au début de ce cours. Mais c'est le cadeau qui nous est proposé aujourd'hui. Au chapitre 26, la transition. Cet état de passer du rêve à la réalité. Et entre les deux, c'est le pardon qui va nous permettre de se pardonner, d'avoir pris le passé et de le projeter encore, ou ses idées comme le passé égarant du futur. La vérité est éternelle, telle que Dieu t'a créé, telle que Dieu a créé mon frère. Alors, bienvenue au cours en miracle. Le miracle est toujours là. C'est parce qu'on ne le voit pas. Et aujourd'hui, les obstacles qu'on a mis dans notre perception à la vérité, ces obstacles à la vérité. Aujourd'hui, on étudie cette petite entrave. Et tous ces titres sont bien choisis. Ce n'est qu'une petite entrave à la vérité. Une petite entrave peut certes sembler grande à ceux qui ne comprennent pas que les miracles sont tous les mêmes. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de grand et petit miracle. Et quand tu comprendras ce cours en miracle,
Quand tu comprendras ce cours, tu vas te rendre compte que les miracles sont tous les mêmes. Il n'y aura donc pas de grandes et petites guérisons, de grandes ou petites illusions. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Mais vous vous souvenez de la... Pardon. De cette seule mise en garde que Jésus nous fait. Tu veux comprendre le courant miracle, fais pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie. Et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Les miracles sont tous les mêmes. Or, c'est à enseigner cela que sert le cours. C'en est le seul but, car cela seul est tout ce qu'il y a à apprendre. La vérité est tout le temps vraie. Les miracles ne changent rien. La vérité est éternelle. Mais m'amène dans cet instant, maintenant, où on est sorti de nos illusions, de ce je égo séparé, de cette partie de moi que j'ai divisée, qu'on a appelée l'ego. Et l'ego n'existe pas. C'est une manière de se voir. Mais le Fils de Dieu, et un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. Ta réalité est éternelle et inchangeable. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans cette transition? On est en train de s'éveiller du rêve. Alors, au lieu de rêver notre vie, on va réaliser avec tant d'amour ce qu'on fait sur terre. Et on est venu pardonner. Le moyen entre les illusions et la vérité, c'est le pardon qui traverse notre vie d'un bout à l'autre. On est venu apporter la lumière au monde par notre pardon. Pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et tu vas voir que le miracle est toujours là. Alors, on enlève aujourd'hui une barrière à cette transition en comprenant cette petite entrave. Et d'emblée, Jésus nous dit une seule petite entrave et tu verras pas que les miracles sont toujours là et toujours les mêmes. Or, c'est à enseigner cela que sert le cours. C'en est le seul but, car cela seul est tout ce qu'il y a à apprendre. Et tu peux l'apprendre de bien des façons différentes. Mais tout apprentissage est soit une aide, soit une entrave aux portes du ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant. J'ai besoin de comprendre le cours en miracle avec le sens que Jésus donne aux mots. Alors, sur le ciel, allez sur la page web, il y a plusieurs extraits du cours quand Jésus nous explique c'est quoi le ciel. Et c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Alors, tout ce que j'apprends dans ma journée, c'est soit une aide qui m'amène dans cette réalité éternelle, inchangeable, ce ciel ici, maintenant, ou alors une entrave aux portes du ciel. Et rien entre les deux n'est possible, soit une aide, soit une entrave. Il y a seulement deux enseignants et qui indiquent des voies différentes. Tu suis la voie de Dieu en toi ou la voie de l'ego. La voie de la séparation ou la voie de Dieu, le Saint-Esprit, qui est un, unité. Tu t'unis à ton frère ou tu te sépares. Il n'y a rien entre les deux. Il y a seulement deux enseignants qui indiquent des voies différentes. Et tu suivras la voie dans laquelle l'enseignant de ton choix te guidera. Vous vous souvenez dans les règles de la décision, qui est ton conseiller? Le Christ ou des idoles, de toutes les manières? Et toutes les sortes d'idoles. On a pris notre corps comme une idole. On a pris des gourous comme idoles. On a pris des coachs de vie comme idoles. On a pris des religions comme idoles. Mais toutes ces idoles, Jésus les nomme en un mot. L'Antéchrist,
Alors, qui est ton conseiller, le Christ ou l'Antéchrist? Et tu suivras la voie dans laquelle l'enseignant de ton choix te guidera. Il n'y a que deux directions que tu puisses prendre. Tant que reste le temps et que le choix signifie quelque chose. Car jamais une autre route ne sera faite que la voie vers le ciel, la réalité telle que Dieu l'a créée, qui est éternelle et inchangeable. Le ciel, c'est cet état d'esprit quand tu sais qu'on est tel que Dieu nous a créés, que la pensée quitte pas notre source, sa source. On est donc un avec Dieu, ce qui signifie un avec tous nos frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées. Le ciel, c'est unité. Il n'y aura aucun autre chemin. Tu tournes en rond dans ta vie. Tu vas vers nulle part. Une autre forme d'idole. Une autre forme d'illusion. Ou alors, qui est mon conseiller? Et le Christ fait le chemin avant nous. Et comme toujours, il nous montre le chemin. Il nous enseigne comment comprendre la vérité qui nous est proposée, auquel on est convié. Et ensuite, il nous montre le chemin. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Et aujourd'hui, on étudie cette petite entrave qui nous empêche de réaliser que le ciel, c'est ici, maintenant. Tu ne fais que choisir d'aller vers le ciel ou alors vers nulle part. Il n'y a rien entre les deux. Tu vas vers le ciel ou vers nulle part. Il n'y a rien d'autre à choisir. Parce que quelle est la différence entre une illusion et une autre illusion? Jésus nous dit, les illusions ne dureront pas et vont te conduire à d'autres désillusions. Mais la vérité, elle est éternelle. Et quand on l'a trouvée, on sait que c'est vrai. Rien n'est jamais perdu que du temps qui, à la fin, est insignifiant. Alors, voilà ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Vous connaissez ces phrases. Ça recommence encore. Pourquoi ça m'arrive encore? Je pensais que ça, c'était vrai, mais maintenant, une autre forme de désillusion. Parce qu'on avance vers le ciel ou vers nulle part. Vous connaissez l'expression « tourner en rond ». Alors, à la fin, rien n'est perdu parce que la vérité, elle, est éternelle, que du temps. Car ce n'est qu'une petite entrave à l'éternité. Alors, qu'est-ce que c'est notre compréhension du temps? Une petite entrave à ce qui n'est, qui a jamais été vrai. Parce que la vérité est éternelle. Le temps et toutes nos illusions qui conduisent à d'autres désillusions. Petite entrave, ce temps est tout à fait insignifiant pour le réel enseignant du monde. Tu as perdu du temps, beaucoup de temps, nous dit Jésus. Et on n'apprend pas par la souffrance. Une autre belle tromperie de soi que l'ego nous a enseignée. Dans cette manière de penser, l'ego, ce n'est pas une réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est un système de pensée. Et pour justifier ou pour éviter de se pardonner de s'être trompé et justifier une expérience souffrante, on dit « Ah, oh, ça m'a appris! » Et Jésus nous dit « On n'apprend pas par la souffrance. » On va donc sortir de ce rêve d'illusion où on a tourné en rond et où on a perdu du temps. Mais à la fin, ce temps n'est pas une réalité. Car ce n'est qu'une petite entrave à ce qui est éternel. La réalité, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Et tout à fait insignifiant cette perte de temps pour
réel enseignant de Dieu pour le Saint-Esprit qui veut nous réinterpréter toutes nos erreurs. Ah, puisque tu crois en ce temps, en lui, pourquoi gaspillerais-tu à aller encore et encore dans d'autres illusions? Qui est ton conseiller, le Christ ou encore des idoles? Quand il peut être utilisé pour atteindre le but le plus élevé que l'apprentissage puisse accomplir. On est sur terre pour retrouver notre unité, le salut. Le moyen, c'est le pardon. Ne pense pas que la voie vers les portes du ciel soit le moindrement difficile. Alors écrivez un beau nota bene ici, parce que faire ce qu'on a à faire sur terre, c'est libérer de toutes les illusions et ça ne peut jamais être souffrant. Pardonner, c'est libérateur. C'est pas dur, pardonner. C'est de ne pas pardonner qui est si souffrant dans notre vie. Ne pense pas que la voie vers les portes du ciel soit le moindrement difficile. Rien de ce que tu as entreprend avec un but certain. La certitude, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est toi, fils de Dieu. Avec une grande résolution, et tout ce qui nous est demandé, c'est le petit désir de vouloir la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et une confiance heureuse en tenant la main de ton frère et en accordant ton pas avec le chant du ciel. Rien de ce que tu entreprends dans ce but certain n'est difficile à faire. Prends la main de ton frère. Vous savez, Jésus nous répète à quelques reprises, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et qu'est-ce qu'on fait en ce monde? On est venu prendre la main de notre frère et s'unir. C'est pour ça que et l'unité, c'est le salut. C'est retrouver cette vérité éternelle. Prends la main de ton frère au lieu de juger, condamner. Rien de ce que tu entreprends dans cette voie vers le ciel est le moindrement difficile. Ce que tu entreprends avec le but certain, qu'est-ce que je veux? La vérité, nul ne peut échouer. Et cette vérité, c'est qu'on n'est pas des égaux séparés sur un champ de bataille où c'est normal de souffrir dans un monde séparé. La vérité est éternelle. Prends la main de ton frère. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et on est tellement plus aidé qu'on pense. Mais il est certes difficile de s'égarer, seul, misérable, sur une route qui mène à rien et n'a pas de but. Voilà toute la souffrance de notre vie. Penser qu'on est un égo séparé, souffrant. Dieu a donné son enseignant. Vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi. Dieu a donné son enseignant pour remplacer celui que tu as fait et non pour être en conflit avec lui. Et ici, c'est une note très importante. Jamais le Saint-Esprit nous enlève nos idées fausses qui nous amènent au champ de bataille, à s'opposer, à se penser attaqué et à penser qu'on a le droit d'attaquer parce qu'on se pense attaqué. L'épée continue au-dessus de notre gorge, nos jugements de condamnation. Jamais le Saint-Esprit peut nous enlever nos attaques à nos frères, nos jugements de condamnation. Il attend qu'on les lui donne. La vérité ne s'oppose pas. Quelle pensée à la fois libératrice et rassurante. Jamais le Saint-Esprit va nous enlever nos peurs. Il attend qu'on lui donne. Et donner, c'est recevoir. Tu n'as rien donné au Saint-Esprit si tu n'as pas reçu la réponse, la correction de ta pensée de peur. Dieu a donné
sa voix en toi. Le Saint-Esprit, notre enseignant, pour remplacer tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, dans ces jeux séparés. Et non, pour s'opposer. Quand Jésus dit « Je n'attaque pas ton ego », premièrement, on n'a pas d'ego. Et deuxièmement, on est libre. Alors, on est libre d'aller souffrir dans tous nos jugements de condamnation, encore et encore. Ou alors, on est libre de savoir que notre but, c'est la vérité. Et de prendre la main de notre frère, au lieu de juger, condamner. Et on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre pensée de peur. Et ce qu'il voulait remplacer a été remplacé. Alors ici, bienvenue au cours en miracle. On est en train de comprendre que la vérité qui est éternelle, elle n'a pas pu arrêter d'être vraie parce qu'on s'est trompé et qu'on a cru à cette folle et minuscule erreur, la séparation. Et on s'est construit un je séparé à notre manière. On l'a projeté. Mais à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant. Et à l'instant même, la séparation a été défaite. Et c'est ça qu'on va comprendre ce soir dans ce texte, la petite entrave. On pense encore que le passé est là. Mais le passé a disparu depuis longtemps. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On a beau avoir inventé un jeu particulier, Dieu m'a envoyé des épreuves. Imaginez, on a inventé des dieux qui punissaient son fils parce qu'on se pensait coupable. On a inventé la culpabilité. Quand Jésus dit « Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi ». Mais ce n'est pas parce qu'on a rêvé nos rêves de séparation et de peur, de culpabilité, de punition, de souffrance, que la vérité a changé. Et à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, cette séparation a été défaite. Alors, ce pardon des illusions qu'on s'apprête à enfin apprendre par Jésus qui a fait le chemin pour nous et qui nous l'enseigne si bien dans ce cours. Cette séparation, elle est déjà défaite à l'instant même où on a rêvé. Vous savez, un rêve, ça ne change pas la réalité. Alors, Dieu a donné son enseignant pour remplacer celui que tu as fait et non pour être en bataille avec lui. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et ce qu'il voulait remplacé a été remplacé. Le temps n'a duré qu'un instant dans ton esprit et sans effet sur l'éternité inchangeable. Le temps n'a duré qu'un instant dans ton rêve de séparation, dans ton esprit et sans effet. C'est pas parce que je rêve quelque chose que je change le réel, l'éternel, l'inchangeable. Ainsi, tout le temps est passé et tout est exactement comme c'était avant que la voie vers l'illusion, vers l'ego n'ait été faite. Le tout petit battement de temps pendant lequel la première erreur a été faite et cette première erreur, Jésus nous dit, cette folle et minuscule erreur d'avoir cru qu'on peut créer autrement que comme Dieu crée. La création de Dieu, extension d'une pensée d'amour. Comment l'ego vit dans une projection et dans ce calcul. Je te donne, est-ce que tu m'as donné assez? Ces femmes qui ont trop aimé, j'ai trop aimé, etc. Cette erreur, c'est la séparation. Un je particulier, un fils de Dieu n'est pas particulier. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Cette petite erreur de se penser séparé, particulier, différent, est le
tout ce qu'on a rêvé, abandonné, pas compris, rejeté. On ne tourne en rond. Qu'est-ce que l'ego? Un rêve de séparation. Qu'est-ce que l'ego? Il vient d'une idée fausse, la séparation. Alors que la création est éternelle, inchangeable. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu et on n'a pas quitté Dieu. On est en Dieu ici, maintenant, et on rêve d'autre chose. Mais ce rêve, à l'instant même, on l'a rêvé. À l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Et le temps est une illusion, parce qu'on garde le passé, en guillemets, vrai pour nous. Ainsi, tout le temps est passé, et tout est exactement comme c'était avant que la voie vers le rien, le rêve, ce n'est que du rêve, n'ait été fait. Le tout petit battement de temps pendant lequel la première erreur a été faite et toutes les autres dans cette seule erreur. Quand Jésus nous dit « la seule et unique raison à la base de toutes tes souffrances, c'est cette erreur, la séparation. » Et quand elle a été faite, elle a été défaite en réponse de Dieu à notre idée folle et minuscule. Et on a oublié d'en rire, nous dit Jésus. Rire de l'idée de la culpabilité. Du ciel. Au ciel, tu vas rire de l'idée de la culpabilité. Et pourquoi qu'on inventait la culpabilité? Parce que le Fils de Dieu qui se voyait tout seul, il manquait quelque chose. Tu as tout et tu es tout, tel que Dieu t'a créé. On est un seul soi. Et l'on se voyait tout seul. Alors, on n'était pas bien. Alors, on a inventé à cause de coupable. On cherchait coupable dans notre rêve. Et on a tourné en rond, en souffrant pour rien. Mais tout ce temps où il est certes difficile de s'égarer seul et misérable sur une route qui mène à rien. Dans le rêve, vous avez déjà rêvé. Le lendemain matin, on ne l'a pas traversé, la montagne. Et n'a pas de but. Que de l'illusion. Alors, ce temps, ce petit battement de temps pendant lequel la première erreur a été faite et toutes les autres dans cette seule erreur, contenait aussi la création, pardon, la correction de cette erreur. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est éternelle. On n'est pas séparés de Dieu. On n'est pas séparés les uns des autres. Les esprits sont joints. Quel bonheur d'entendre cette pensée. On n'a jamais été séparés. Alors, la correction a été faite à l'instant même où l'erreur a été faite. Et toutes les autres venues dans la première. Alors, cette erreur, toutes nos souffrances en ce monde, c'est de se croire différent, particulier, jugé, condamné. Et dans ce tout petit instant de temps, dans ce tout petit instant, le temps a disparu. Ce n'est pas une réalité. Car voilà tout ce que le temps a jamais été. Une erreur dans une volonté séparée de Dieu, de se penser séparé. Mais au même moment, Dieu nous a donné sa voix en nous et cette erreur a été corrigée. On a remplacé l'idée de séparation qu'on s'est faite par le salut, l'unité. Et dans ce tout petit instant, le temps a disparu, car voilà tout ce qu'il a jamais été, ce à quoi Dieu a répondu. Et non seulement Dieu a répondu, a reçu réponse. Alors l'idée de la séparation par le temps, par nos jugements de condamnation, cette seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, la séparation.
a reçu réponse et le temps a disparu. Toi qui crois encore vivre dans le temps, nous dit Jésus, tu ne connais pas qu'il a disparu. Mais le Saint-Esprit, la réponse de Dieu, sa voix en nous, le Saint-Esprit te guide encore à travers le labyrinthe infiniment petit et sans signification de tous les détours qu'on s'est fait dans notre vie, qu'on a fait dans notre vie. Le Saint-Esprit te guide encore à travers le labyrinthe infiniment petit, insensé, que tu perçois encore dans le temps, bien qu'il ait disparu depuis longtemps. Tu penses vivre dans ce qui est passé. Chaque chose que tu regardes, tu l'as vue un court instant, il y a longtemps, avant que son irréalité ne fasse place à la vérité. Pas une seule illusion ne reste encore sans réponse dans ton esprit. Vous souvenez-vous, il y a de nombreuses réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues, et Jésus ajoute, et je t'assure que ces réponses t'attendent. L'incertitude, le doute, l'idée de la séparation, ce je particulier souffrant qu'on s'est fait, l'incertitude fut portée à la certitude. Il y a si longtemps qu'il est dur, en effet, de la tenir dans ton cœur, comme si elle était encore devant toi. Ce tout petit instant que tu voudrais garder et rendre éternel, on veut rendre vrai le passé. On veut rendre vrai des souffrances du passé. On a appelé ça des cicatrices, des chocs post-traumatiques, un petit enfant blessé, ou encore « c'est normal de souffrir si tu savais ce que j'ai vécu », etc. On a appelé ça maladie, tristesse, colère, perte, manque. Ce tout petit instant que tu voudrais encore garder et rendre éternel est passé au ciel. Et trop vite pour que quoi que ce soit ait remplacé, ait remarqué que ce temps, cette erreur de séparation est venue. Ce qui a disparu trop rapidement pour affecter la simple connaissance du Fils de Dieu peut difficilement être encore là pour que tu choisisses qu'il soit ton enseignant. Qui est mon enseignant? Dieu ou l'ego? La voix de Dieu en moi, le Saint-Esprit et le Christ qui a accepté le fait éternel et inchangeable qu'il est le Fils de Dieu et qui nous enseigne ce chemin. Je suis tel que Dieu m'a créé ou je suis l'ego que je me fabrique. Parce que l'erreur, à l'instant même où elle a été faite, elle a été corrigée. Mais tu voudrais garder vrai le passé pour prouver par ta souffrance que l'autre est coupable. C'est seulement dans le passé, un passé ancien, trop court pour faire un monde en réponse à la création, en réponse au monde que Dieu a créé, éternel et changeable. C'est seulement dans le passé que ce monde parut surgir. Il y a si longtemps, durant un si petit intervalle de temps, que pas une seule note dans le chant du ciel n'a été perdue. Vous savez, c'est pas parce que on hurle nos colères, qu'on crie « Dieu n'existe pas », qu'on jure qu'on est des blessés parce que l'autre est un coupable. Ce n'est pas parce qu'on croit aux rêves de peur que la vérité est changée. Pas une seule note dans le chant du ciel n'a été perdue. Or, dans chaque acte, dans chaque pensée qui ne pardonne pas, dans chaque jugement
dans toute croyance dans le péché, ce seul instant de séparation est rappelé, comme s'il pouvait être fait à nouveau dans le temps. Tu gardes devant les yeux un souvenir ancien. Et celui qui vit seulement dans les souvenirs ne voit pas le présent, est inconscient de là où il est maintenant. Et ta demeure est en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, comment on trouve ce présent? Comment on oublie un passé qu'on croit vrai encore dans nos souffrances? Le pardon est la grande délivrance du temps. Entendez en vous, pardonne, et tu verras ceci différemment. À chaque fois qu'on croit que notre souffrance est vraie, porte à la lumière cette souffrance. Et tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Ce qui signifie que j'écoute pas l'ego et toutes les lois de l'ego, que l'ego s'est appris dans une idée folle de séparation, de péché, de culpabilité, de mal. Dieu n'a pas fait le mal. C'est nous autres qui sommes en train de le rêver encore. Et là, je vous invite à aller voir le texte sur la notion de mal que Dieu ne peut pas avoir créé, qui n'est donc pas une réalité, qui est notre perception. Je n'ai pas dit « tu as pas mal ». J'ai dit « il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. » Le pardon est la grande délivrance du temps. Vous avez remarqué que dans nos cours, non seulement Jésus nous révèle une vérité, le temps est passé. Et toutes ces idées de séparation ont été pardonnées. Mais nous autres, on revit le passé. Quand on ne pardonne pas des illusions qui nous sont portées. Et non seulement Jésus nous révèle, mais il nous montre le chemin pour en faire l'expérience. Le pardon est la grande délivrance du temps. Voilà la méthode que Jésus nous enseigne. C'est la clé, le pardon est la clé pour apprendre que le passé est terminé. La folie ne parle plus. L'illusion fait illusion, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ne croit plus. Les idoles pardonnent. Et tu verras ceci différemment. Il n'y a pas d'autre enseignant. Il n'y a pas d'autre voie. Car ce qui a été défait n'est plus. Pardonne. C'est cette délivrance des illusions. Qui, se tenant sur une rive lointaine, peut se voir en rêve de l'autre côté de l'océan jusqu'en un lieu, jusqu'en un temps depuis longtemps disparu. C'est du rêve. Que du rêve. Ce rêve peut-il être une réelle entrave à là où il est réellement? On est où en ce moment? On est en Dieu. On n'a pas quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas un monde séparé de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. Toutes nos souffrances, pardonne. Et tu verras ceci différemment. C'est du rêve. Et ce passé est terminé. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Et c'est le pardon qui va te permettre d'expérimenter cette vérité. Ce rêve, tous nos rêves de condamnation, de souffrance, ce rêve peut-il être une réelle entrave à là où il est réellement? Car cela est un fait qui ne change pas, quels que soient ses rêves. La vérité est éternelle. Or, il peut en croire, encore imaginer qu'il est ailleurs.
On a tous déjà rêvé, on s'est vu en haut de la montagne. Est-ce qu'on a grimpé pendant la nuit? On peut s'imaginer qu'on est dans un ailleurs, qu'on est dans un autre temps. Et à l'extrême, on peut même s'illusionner au point de croire que cela est vrai et passer sur et passer de la simple imagination à la croyance, à la folie. Insane, l'ego, c'est juste insane, insane, c'est fou. Et en même temps, ça signifie rien, nos rêves. Alors, on peut s'illusionner au point de croire que c'est vrai, qu'on est des jeux égaux, blessés, séparés, et passer de la simple imagination à la croyance, à la folie, et tout à fait convaincu que là où il préférerait être, il est. Tu peux croire à tes illusions. Mais Jésus nous pose une belle question. Cela est-il une entrave au lieu où il se tient en réalité? On n'a pas quitté notre source. On est un seul soi. Les esprits sont joints. Quel que soit l'écho du passé qu'il puisse entendre, est-ce que ça a changé quelque chose à la réalité? Est-ce un fait? Dans ce qu'il y a à entendre, là où il est maintenant? À quel point ses propres illusions sur le temps et le lieu peuvent-elles faire un changement à là où il est réellement? Le rêve ne change pas la réalité. Alors pardonne. Le pardon est la grande délivrance du rêve. Le passé est terminé. Les impardonnés ont une voix qui appelle d'un passé, mais a jamais disparu pourtant. Et tout ce qui indique que ce passé est réel n'est que un souhait que ce qui a disparu puisse être rendu réel à nouveau et vu comme étant ici et maintenant à la place de ce qui est réellement. Quand on ne pardonne pas, on y rêve nos souffrances au lieu de la réalité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est ce petit repère qu'on s'est donné entre nous. Si j'ai mal, je me trompe. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tu verras que le miracle est toujours là. Et tu verras ta place en réalité. Et notre demeure est en Dieu. Tu verras où tu es réellement dans ce maintenant. Et dans ce « ici », il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici la vérité. Cette vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est réel. Cela est-il une entrave à la vérité? Parce que tu rêves dans ton jugement de condamnation. Parce que tu rêves, est-ce que ça peut être une entrave à la vérité qui est que le passé a disparu? Et qu'il ne peut être rendu. Et veux-tu que cet instant de peur, cet instant effrayant, soit gardé encore et encore et encore, où le ciel sembla disparaître, où tu te pensais tout seul et séparé et souffrant, injustement traité, attaqué? Veux-tu que cet instant effrayant soit gardé où Dieu fut craint? Si tu te penses coupable, tu vas avoir peur de Dieu. Et fais symbole de ta haine. On vit deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et toute cette peur d'accepter la vérité éternelle, c'est pas de l'amour. Oublie le temps de la peur. Oublie le temps de la terreur qui fut corrigé et défait il y a si longtemps.
Prenez ce chemin que Jésus nous montre. Oublie le temps de la peur, de la terreur, qui fut corrigé et défait il y a si longtemps. Le péché peut-il résister à la volonté de Dieu? Tout le mal qu'on a conçu dans nos vies, j'ai mal, tu as mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal, nous avons mal. Est-ce que toutes ces idées de mal, de péché, peuvent changer la volonté de Dieu éternelle et inchangeable? Penses-tu vraiment être capable de faire un monde qui contredit, qui s'oppose à la vérité de Dieu, à la volonté de Dieu? En rêve, oui, mais que du rêve. Le rêve ne change pas la réalité. Peut-il t'appartenir de voir le passé et de le mettre dans le présent? Le passé a disparu. Cette petite entrave qui nous empêche de pardonner parce qu'on met le passé répété, projeté encore et encore dans ce qu'on est en train de vivre maintenant. Tu ne peux pas retourner en arrière. Et tout ce qui indique la voie dans la direction du passé ne fait que t'engager dans une mission dont l'accomplissement ne peut être que du rêve, que irréel. Tu ne peux pas condamner ton frère et faire du Saint-Fils de Dieu qu'il est un coupable. Tu ne peux pas devenir un coupable quand Dieu t'a créé pareil à lui-même, sainteté. Et sainteté et coupable, ce n'est pas compatible. En rêve, dans ton jugement qui condamne au lieu de pardonner. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas créer, faire du Saint-Fils de Dieu un pécheur, un coupable. Le péché, toutes ces formes de mal que tu as perçues dans ta vie n'ont jamais changé la volonté de Dieu qui est éternelle. Telle est la justice qui doit venir à toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pardonne et tu vas retrouver cette vérité éternelle parce que c'est la volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse. Telle est la justice qui doit venir à toi, ainsi que ton Père, qui est amour, qui est tout amour, la garantie. Et la garantie que Dieu nous a donnée, que son Fils retrouverait son chemin à travers les méandres des illusions de toutes les couleurs qu'on s'est inventées, les illusions ne dureront pas. La garantie que Dieu nous a donnée, c'est sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et Dieu a garanti que quels que soient les péchés auxquels on a cru, en moi, en toi, en l'autre, les culpabilités si souffrant ce rêve de terreur, de peur, quels que soient les rêves qu'on a faits, de jugement, d'attaque, Dieu nous aime. Dieu qui est tout amour a garanti que son Fils retrouverait son chemin. Et ce temps, ce minuscule instant où on a cru à la séparation est déjà pardonné, est déjà guéri, est déjà défait cette illusion. Combien de temps on veut rêver encore nos peurs ou accepter la volonté de Dieu? Parce que la justice de Dieu, c'est que son Fils est tout. Qu'on sorte de notre rêve. Telle est la justice qui doit venir à toi, ainsi que ton Père qui est amour et tout amour la garantie. Et de ta propre iniquité envers toi-même, il t'a protégé. Toi qui se penses coupable, toi qui penses que tu es une petitesse et qu'accepter l'immensité de l'amour de Dieu que tu es, tel que Dieu t'a créé, toi qui penses que c'est trop grand pour que ce soit vrai pour toi, toi qui se penses coupable, misérable, séparé, souffrant, tout seul, injustement traité, c'est ta propre iniquité, injustice envers toi-même. Dieu t'a protégé en nous donnant sa voix en nous, le Saint-Esprit.
Tu ne peux pas perdre ton chemin parce qu'il n'y a d'autre voie que la sienne. On tourne en rond jusqu'à ce qu'on décide de vouloir la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et dans cette vérité, le Fils de Dieu ne peut pas être devenu un coupable, un pécheur, un blessé. Et tu ne peux aller nulle part sauf à lui. Ou c'est Dieu, ou c'est l'ego que je choisis. Et je tourne en rond encore dans le rêve. Mais Dieu m'a donné, a donné à son Fils sa voix en nous pour nous indiquer le chemin. Dieu permettrait-il que son Fils perde son chemin sur une route qui n'est plus que le souvenir lointain d'un temps disparu? Dieu permettrait-il qu'on perde notre chemin dans un rêve de séparation, de mal? Ce cours t'enseignera seulement ce qui est maintenant. Le passé a disparu et la vérité est éternelle. Elle est maintenant. Un instant terrible de peur dans le passé éloigné, maintenant parfaitement corrigé, n'est d'aucun intérêt et ni d'aucune valeur. Oublie le passé de ton frère, sinon tu ne le verras pas. Ce qui est mort est disparu, qu'il soit oublié dans la paix, paisiblement. La résurrection est venue prendre la place de toutes les formes de mort qu'on s'est rêvé dans notre vie. La résurrection, c'est renaître au Fils de Dieu que nous sommes. Pardon. La résurrection, c'est renaître au Christ en nous, le soi que nous sommes. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. On est un seul soi. C'est ça, ressuscité. Et ça n'a rien à voir avec la souffrance qui a servi à faire évoluer. Ce n'est pas la crucifixion qui a amené le Fils de Dieu à reconnaître sa sainteté. Et tout l'exemple de la crucifixion que Jésus a vécu, ce n'est qu'un le dernier voyage inutile de la filialité. Ce n'est pas en souffrant qu'on grandit. C'est en acceptant cette justice éternelle. Cette justice, c'est que Dieu nous aime et que Dieu nous a donné sa voix en nous pour nous enseigner le chemin. Et comment on va sortir de cette illusion du temps de souffrance, ce temps qui n'est pas une réalité, qui est déjà disparu. Le pardon est la grande délivrance du temps. Et le Saint-Esprit, sa voix en nous, nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Et c'est ça, renaître au Christ en nous, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. La résurrection est venue prendre sa place. Et maintenant, tu fais partie de la résurrection, nous dit Jésus, et non de la mort. Aucune illusion passée n'a le pouvoir de te garder en un lieu de mort. Lisez-le 4 fois, 8 fois, ce bout de phrase-là, si vous voulez, mais c'est ça qui est écrit. Aucune illusion de souffrance, de péché, de culpabilité, d'attaques, de blessures du passé. Aucune illusion passée n'a le pouvoir de te garder en un lieu de mort, un caveau où le Fils de Dieu est enterré un instant, pour être instantanément rendu à l'amour parfait de son Père. À l'instant même où on croit être victime d'un attaquant, à l'instant même, le Saint-Esprit veut nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. On va aimer au lieu de condamner. Et comment peut-il être attaché à des chaînes qui ont depuis longtemps été enlevées
et sont à jamais disparus dans son esprit. Ce pardon, je vais l'apprendre. Quand dans notre vie, on arrive à ce point, et nul ne peut échouer qui cherche la vérité, on va se rendre compte qu'il n'y a rien à pardonner. C'est ça, pardonner. Comment Dieu pardonne? Point d'interrogation. Et Jésus nous dit la phrase suivante, Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'y a pas condamné. C'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Le Fils de Dieu, le Fils que Dieu a créé, est aussi libre que Dieu l'a créé. On n'est pas enchaîné à nos erreurs du passé. On n'est pas attaché, enchaîné aux erreurs d'aucun de nos frères. Et le Fils de Dieu ressuscite à sa réalité éternelle. Le Fils de Dieu est né à nouveau, à l'instant même où il a choisi de mourir au lieu de vivre. Ne veux-tu pas lui pardonner maintenant? Toutes les erreurs de qui que ce soit qui nous sont portées, les miennes, les tiennes, ne veux-tu pas lui pardonner maintenant? Parce qu'il a fait erreur. Et on a tous fait erreur. Quand Jésus nous dit, si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais veux-tu pardonner au Saint Fils de Dieu toutes les erreurs que tu perçois, au lieu d'en faire et encore des péchés où tu condamnes ton frère, mais tu deviens le geôlier de sa prison? Alors tu es emprisonné par, non pas ton frère, par ton jugement de condamnation que tu portes sur lui. L'épée au-dessus de ta tête, c'est ton jugement de condamnation. Ne veux-tu pas pardonner au Saint-Fils de Dieu parce qu'il a fait une erreur dans le passé dont Dieu ne se souvient pas? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et cette erreur, le passé est disparu. Cette erreur qui n'est pas là. Combien de temps on veut encore radoter nos souffrances du passé et les répéter en souvenir et vouloir les thérapiser encore et encore? Pardonne. C'est la clé qui va te faire comprendre que le passé n'est pas là. Le pardon est la grande délivrance de cette illusion. Et le Fils de Dieu est né à nouveau, à l'instant même où il choisit, où il a choisi de juger, de condamner, de mourir au lieu de vivre. Alors, la grande question, ne veux-tu pas pardonner au Fils de Dieu parce qu'il a fait erreur dans le passé, dont Dieu ne se souvient pas? Dieu ne t'a jamais condamné. Et cette erreur qui n'est pas là parce que le passé n'est pas là. Maintenant, tu vas et viens entre le passé et le présent. On reconnaît. Tournons rond. On pardonne et on revient des fois dans la même phrase ou dans la même journée ou dans la même minute. On revient sur le passé. Oui, mais là, j'espère que ça ne recommencera plus. Je viens de condamner encore. Parfois, le passé semble réel, comme s'il était le présent. On a projeté une pensée du passé et on ne voit pas le présent. Des voix du passé sont entendues, puis mises en doute. Tu es comme celui qui hallucine encore, mais manque de conviction quant à ce qu'il perçoit. On est en train de chevaucher entre les illusions et la vérité. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Cela est la zone frontière entre les mondes, le pont entre le passé et le présent qui est éternel. Là reste l'ombre du passé. Virgule. Et Jésus dit, mais une lumière présente est quand même vaguement reconnue. Et une fois qu'elle est vue, cette lumière ne peut jamais être oubliée. Cette
vérité ici qui est souvent énoncée dans notre cours. Pardonne une fois et on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Une fois que cette lumière ne peut jamais être oubliée. Elle doit te tirer du passé dans le présent, où tu es réellement. Les voix d'ombre, les voix du passé, tous nos fantasmes, les voix d'ombre ne changent pas les lois du temps ni de l'éternité. Elles viennent de ce qui est passé et disparu et n'entravent pas l'existence véritable de l'ici et maintenant. Alors, ce monde réel, c'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, que le Saint-Esprit me montre à chaque instant de ma vie, quand j'écoute, au lieu de garder vrai ma peur, le passé, et quand je sais entre le passé et le présent. Le monde réel est la seconde partie de l'hallucination, que le temps et la mort sont réels et ont une existence qui peut être perçue. Cette terrible illusion du temps et de la mort, cette terrible illusion fut niée dans le temps même. Au même moment, dans le temps même qu'il fallut à Dieu pour donner sa réponse à l'illusion. Et la réponse de Dieu, c'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, pour tous les temps et toutes les circonstances. Et puis, on ne peut plus en faire l'expérience comme si elle était là. Cette lumière, et cette lumière est en nous, et c'est la fonction du Saint-Esprit de nous l'enseigner. Quand on l'accepte en nous, on ne l'oublie plus. Et c'est là que ce monde de misère va être vu à travers les yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Ça reste encore une perception, mais une perception où on voit un monde pardonné, rempli d'amour. Et c'est ça que Jésus nous explique ici. À chaque jour, et à chaque minute de chaque jour, et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. On a deux émotions, de la peur ou de l'amour. Cet unique instant, ce temps passé qui est disparu. Ainsi, tu meurs chaque jour pour vivre à nouveau jusqu'à ce que tu franchisses le fossé entre le passé et le présent, et qui n'est pas du tout un fossé. On rêve. Pardonne. Et tu vas te rendre compte qu'on a toujours été un avec celui-là même qu'on appelait notre ennemi. Telle est chaque vie. Un semblant d'intervalle de la naissance à la mort, puis à la vie de nouveau. La répétition d'un instant, depuis longtemps disparu, qui ne peut pas être revécu. Le passé n'est pas là. Pardonne et tu verras ceci différemment. Cette lumière, quand enfin on l'a acceptée, on ne peut plus l'oublier. Et le Saint-Esprit va nous montrer ce monde réel que je vois avec des yeux qui pardonnent. Alors, telle est et tout le temps n'est que la folle croyance que ce qui est terminé est encore ici et maintenant. Pardonne le passé. Puis, lâche-en prise. Ne reviens pas encore dans le passé, car il a disparu.
Tu ne te tiens plus sur le sol, entre les mondes, il n'y a pas de monde. C'est du rêve de condamnation. Tu as continué et tu as atteint le monde qui est aux portes du ciel. On est au chapitre « La transition ». Il n'y a pas d'entrave à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Tu es tel que Dieu t'a créé et tu ne peux pas changer cette vérité éternelle. Et nul besoin que tu répètes à nouveau un voyage qui s'est terminé il y a longtemps. Alors, pardonne. Pardonne le passé, puis les larges emprises. Regarde doucement ton frère. Prends la main de ton frère, au lieu de le juger et condamner. Regarde dans cette douceur ton frère et contemple le monde dans lequel la perception de ta haine a enfin été transformée en un monde d'amour. Et quand on a vu cette lumière en nous, on comprend que chacun de mes frères, la vie qui est en lui, cette lumière qui est en lui, c'est Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On comprend que c'est le Fils de Dieu en chacun qui nous est envoyé. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Il est mon sauveur. Celui-là même que je condamnais pour me garder dans un passé qui n'est pas là. Pardonne. Pardonne le passé. On a tous fait des erreurs. Mais nous, on a transformé ça en péché et on est resté enchaîné au passé et on projette ce passé dans nos vies à chaque fois qu'on souffre. Pardonne le passé, larges emprises, car il a disparu. Il n'y a pas d'entrave à la volonté de Dieu. Tu voyages dans la souffrance, dans la séparation, de se penser, de se prendre pour un corps, de se penser séparé en condamnant nos frères. Ce voyage est déjà terminé. Voilà le chemin que Jésus nous montre dans ce cours en miracle et la méthode pardonne. Et tu verras ce monde transformé de cette perception de souffrance et de haine dans lequel on le voyait, transformé en un monde d'amour. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu vas voir en ton frère, qu'il rêve ou pas. La vérité en lui est éternelle. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Alors, merci tout le monde. Ce vidéo sur cette petite entrave qui nous empêche de voir le miracle qui sont toujours là est un élément important pour comprendre qu'on ne restera plus dans le passé et qu'on ne le projettera plus sur notre frère ou sur nous-mêmes. Et le miracle est toujours là. Alors, chaque apprentissage dans ta journée est soit une aide ou une entrave vers le ciel. Rien entre les deux n'est possible. Merci tout le monde d'être là. Merci de vous joindre. Au lieu de souffrir dans d'autres rêves, d'autres illusions, cela n'a pas besoin d'être. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Ce pardon est déjà accompli. On les rêve, nos batailles, et ça conduit nulle part. Sauf à d'autres rêves et encore d'autres déceptions, cela n'a pas besoin d'être. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je termine ici l'enregistrement. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Merci.
Merci beaucoup.